Il a été entendu partiellement par sa direction. Voici les deux 11 titulaires. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Eupen commence avec Nourouddine dans les buts. Agbadou, Amat. Peters, bonne déviation. Previac avec Peters. Oh, c'est joli. Et la frappe au premier poteau de Julien Ngoy qui ne trouve pas le cadre. La voici sans doute la plus belle opportunité de la rencontre. Quelle combinaison encore proposée par Previac et Peters. Ce petit ballon pour surmonter la défense adverse. Avec ce ballon de nouveau récupéré par Jonathan Eris. Long ballon vers Peters. Peters le centre. La déviation de Previac. Et la parade de Guillaume Ditch. Magnifique. On vous resserre ici cette belle possibilité pour Previac qui passe. Poiti. Ouais, bonne prise d'appui là sur Kilota. Attention à l'accélération de Poiti. Kilota, le centre, ça va être au fond, Samaziz. Et oui, ça termine au fond. 0-1 pour Serein. 47 minutes de jeu. Et les Métallos qui ouvrent la marque prennent les commandes de cette partie. Regardez de nouveau ici la prise de profondeur de Poiti qui décale pour Kilota et le centre ici qui retrouve Maziz. Agbadou qui passe au travers et Nourouddine est déjà dans son but. 0-1 pour les Métallos alors qu'on les voyait un peu plus en difficulté en fin de première mi-temps. Marius est souvent, trop souvent isolé, mais quand il trouve un partenaire dans la surface adverse, c'est tout de suite mieux. Oh, le deuxième but est peut-être là, oui! C'est au fond, incroyable! Sambou qui double la mise pour les Métallos. 5 minutes. Serein fait le trou. Ouais, c'est bien joué, hein. Que c'est bien joué ce jeu de combinaison. Et puis là, le coup d'accélérateur et Nourouddine. Manque de réussite pour lui avec ce ballon dévié dans les pieds de l'adversaire. Mais ce relais, Maziz Kilota, il est parfait. On va le voir désormais si. Peters qui écarte, centre d'Andreas Beck avec Previac au point de pénalty. Previac qui tente d'ouvrir, ça a été légèrement dévié, ce sera un coup de coin. Voici de Smaïl Previac, mais Faye est très très proche de lui, ce qui l'empêche évidemment de... Parce qu'il suffit d'un but, hein. Un but, oh le... Écoutez, j'ai cru qu'il était là, le but, mais non, Deham voit son ballon. Ça va revenir une dernière fois, dernière possibilité sans doute avec Ngoy qui passe la défense en revue, la frappe au premier poteau, c'est contré. Magui qui décale, le centre tendu. Oh, l'autobus. L'autobus, il a été surpris. Il a été surpris Guillaume Ditch. Mais il est sans doute trop tard. Il n'y a pas de hors-jeu, centré et tendu. Et oui, Faye qui touche. Et Guillaume Ditch. Et c'est terminé. C'est terminé. Soulagement et explosion de joie dans le camp sérésien. Jordi Comdam pour ses retrouvailles avec les Pandas. Regardez.